Bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'encodage du direct va bien se faire proprement. J'ai envie de dire normalement oui. Enfin, je vous connais, vous me direz. Je suis tombé sur un type coincé dans une des maisons sécurisées. Je pensais pouvoir l'aider, mais il avait déjà basculé. Pauvre gars, je n'ai pas signé pour ça, bordel. J'aime bien. S'il y a une narration orale à chaque fois que tu reprends ta partie, c'est très très bien sur l'objectif en cours. C'est de la haute qualité. Attendez, j'ai jeté un coup d'œil sur mon direct. Voilà. Comme ça, je me ferai une idée si ça rame ou pas. C'est un piège en cas de besoin. Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Activer les pièges lumineux. Ah. Ah. Ah! Je crois que je venais de là. Les pièges lumineux, il y a un truc par là-bas. Si je saute là, je vais faire un vacarme d'enfer. Poisson frais, tu parles. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus du poisson frais. Oh là là. Mais quel homme! Quel athlète! Ça a l'air d'aller. Oh. Il y a des rebords, je sais pas comment je vais faire. Faudrait que j'aille sur le truc là. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, je pourrais pas. Hein. C'est beaucoup trop. Merde! Il y a un zombard. Ah, il y a un zombard. Oh là, il y en a plusieurs même. Ouh là là! Mauvais choix. Ouh, on saute. Ouch! Oh merde. Il y a plein de trucs à récupérer, mais... Oh là 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 là. Je suis censé me haut-percher. Je suis censé me haut-percher. Bonjour Twinsen. J'ai lancé le jeu il y a 2 minutes. Je suis déjà en stress. Merde. Ah, c'est ça. C'est l'espèce de borne-là que je dois activer. Oh, vache. Il y en a quand même sur les toits, hein. Allez, tombe toi. C'est ça, va mourir. Wouh! Wouh, ouais, bouh. C'est ça. Je suis déjà en mode bouh. J'ai les chocottes. Ah, ça me servira à pas grand chose. Malheureusement.
Burp. Loupé. Bon, allez, on l'attente. Difficile. Oh vache. Merde. Putain, je l'avais. Ah merde alors. Ah, je laisse tomber, fais chier. D'entrée de jeu, j'étais si proche, je suis deg. Qui c'est qui râle comme ça? Tais-toi. Burp. Bon, c'est pas tout de faire le mariole, mais il faut que je construise mon parcours. Ouais, bah ça va être par là. Ouais, mais c'est trop grand là, je vais me casser la figure. Je suis obligé de le faire en deux temps. Ouais, attention. Vite, vite, vite. Gru, 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 gru. Hop là, bien. Hop là. Merde. Elle était pas prévue au programme, la demoiselle, c'est vrai. Enfin, les demoiselles, parce que je pense que je vais passer par là aussi. Si je peux. Ouais, si je peux. Enfin, non, mais ça me mène à rien, mon truc. Je suis bien emmerdé. Bon, toi, faut que je te tombe dessus. Désolé, ma grande. Ouch. Ah, quelle horreur. Les yeux, les globes oculaires gorgés de sang, c'est horrible. Horrible. Attends, je peux passer sur la tôle. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est ces machins-là, en fait? Yop, cousin! Ce serait ça? Oh la vache. Il faudrait que je monte en face? Ah oui, non, mais là, ça craint. Ah, mais c'est haut Ah, peut-être en passant par là. Oh là là, ça va être chaud. Ouh. Je veux bien que j'incarne un athlète, mais là, quand même, c'est pas Spider-Man, le gars. Allez. Ah, ça a pas marché. Oh. Ah bah là, il a réussi à y mettre le pied. Alors, j'ai pas compris. Oh non, il y a du monde qui m'attend. Coucou. Merde. Des clopes, ouais. Oh, un crochet, ça fait plaisir. Crochetage intermédiaire. Allez, on la tente. Oh, j'ai réussi. Alors, tuyau de gaz et du café. Cool. Ah, c'est ça. Oh putain, la multiprise carrément dans la boîte. Oh la vache, en fait, il y en a plein des hauts perchés. Là, aujourd'hui, ça va être, je suis un chat sur les toits. Oh la 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 la.
Alors, je vais prendre des risques. Burp. Merde. Ah, merde. Hop là, tu m'as pas vu. Oula. Aïe. Si, lui, il m'a vu. M'a fait bobo. Oh là là, merde, mais et ils sont combien? Oh là. Ah, oui, monter, mais comment sauter? Oula. Oh, c'est la merde. Oui, je veux bien. Je veux bien passer par là. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? J'ai une perspective intéressante. Ouch. Attends. Oui, je vais faire les points de compétence après, mais... Waouh. Ouais, on les voit. Qu'est-ce que c'est que cet échafaudage? Je sens que je vais devoir passer par l'échafaudage qui court le long de la voie rapide. Attention. Oh merde. Regarde pas en bas. Oh là là là. C'est beaucoup plus acrobatique qu'un Far Cry. Par exemple, en comparaison. Vous savez, parfois j'ai un peu le vertige sur les pylônes radio dans Far Cry. Là, c'est... C'est tout le temps. C'est la tête de Funfan au réveil, ouais. Ah. Ah. Là, niveau réception, j'y crois pas. Je vais me casser la figure. Merde. Oh là là, oh la populace, mais je vais me faire choper. Hop, 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 hop. Là, je peux descendre par là. Allez, hop. Je vais essayer de les contourner. Je sais pas si je peux. Une corde, très bien. Quand tu te déplaces rapidement, tu as sourcil de synchro. Ah, ça saccade. Ouais, c'est parce que j'en demande trop à mon ordi, en fait. Bravo. Zéro en dextérité. Je voulais le faire tomber, mais tant pis. C'est par là-bas. Les wagons? Non, t'es sérieux, toi? Wow, faut traverser la voie ferrée. Ah, ça? Comment je fais? Faut que je grimpe au poteau. Ah ouais, là, faut que je grimpe au poteau. Merde. J'ai plus le temps. Je sais plus comment on fait pour grimper au poteau. Merde. Ah merde, il m'avait appris dans le tuto et je sais plus. Oh merde. Alors celui-là là-bas, je sais pas comment on l'atteint. Non, je peux pas ouvrir la porte. Faut que je repère les lieux. Ah non, il faut que je fasse de l'escalade, mais comment?
Hop là. On y va discretos. Ah, je sais plus comment on fait pour escalader. Je sais plus du tout. Attends, tant qu'elle est isolée, la nana, je vais essayer de m'en débarrasser. Non, forcément, ils ont tous entendu, forcément. J'ai envie de dire, sinon c'est pas drôle. Wow, il court celui-là, il est bien vif. Fini, oui. Bon, n'oublions pas que j'ai les pétards pour faire diversion. Oh la merde. Quand je vais dégoter un flingue, je vous dis pas comment les balles vont être précieuses pour tirer sur les explosifs. Oh non. Oh la flip. Oh là là. Oh la flip. Ah, oh, puis j'aime bien, il n'y avait rien dedans. Pardon. Ouais, ils sont trop proches maintenant. Ouais, il m'a vu, lui. Bah, s'il y en a qu'un seul qui me voit et qui vient d'un par un, c'est gérable, hein. Faut juste prendre son mal en patience. Hein. Je sais pas, quand je vais le frapper, il va gueuler. Ça va attirer tout le monde. C'était sûr. Les voilà. C'est reparti pour un tour. Et merde. Puis j'ai mon arme qui finit par s'user. C'est pas tout de donner des coups de planche en bois. Oh, de l'alcool, ça c'est cool. Putain la vache, mais il y en a tellement. Mais ils en viennent de partout. Mais là, cet apocalypse zombie, c'est horrible. Arme brisée, merde, faut que j'en change. Je vais prendre celle-là, je vais prendre la patte de table. Ah cool, de l'alcool, c'est bien pour faire des kits pharmacie. Ah, elle fait moins de dégâts la patte de table, merde. C'est vraiment l'arme de fortune, pas cool. Allez, venez par là, vous êtes chiants. Ouais, là-bas, j'ai une emmerdeuse. Avec un peu de chance, elle ne me verra pas. On la retente. Allez. Ah, ils sont peut-être assez loin. Ils vont peut-être m'oublier. Oui, visiblement, ils m'oublient. Merde, je sais plus comment on fait pour grimper au poteau. Bordeloum. Faut rester appuyé. Non. Je sais plus comment je fais. Bah oui, je vois bien que l'objectif est là. Oula, attention, faut que je regarde autour de moi parce que... Ou alors c'est un poteau qui est dit pas escaladable. Ça m'étonne. Je vois pas par où je pourrais arriver. Celui-là, je peux l'escalader ou pas? Ah ouais. Ah ouais, mais... Oh non, vous êtes sérieux, les gens? Wow! Wow! Il l'a fait! Oh la vache! Oh le mec! Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite, dans ce cas. Dépêche-toi.
Oui, il y en a une là, je pourrais essayer de me la faire, mais... Attention, les sacs! Oui! Tu que je veux! Discrétion zéro. Est-ce que je peux... Ah ouais. Ah ouais. Tranquille. Alors attendez. J'ai des points de compétence. Merde, je me trompe de touche. J'ai des points de compétence pas utilisés. On va souffler un peu après tant d'émotions. Tu m'as en 360p. D'accord, cousin. Oh, c'est un moindre mal, ouais. Je regarde pas trop mon retour, j'ai pas le réflexe sur la tablette, mais... c'est vrai que c'est le jeu qui met mon PC sur les genoux. Alors, l'arbre d'agilité vous permet de semer vos adversaires, améliorer votre agilité, grimper, sauter, réaliser des figures de traceurs, et utiliser des compétences de l'arbre d'agilité. Alors, esquive. Esquivez les attaques en sautant en arrière ou sur le côté. Déplacez-vous dans la direction souhaitée. Appuyez sur R pour exécuter l'action. Ah ouais. Toi, t'as du 720 sur téléphone. Ouais, ouais. Chacun fait comme il peut. Hein. Chacun fait comme il peut. Alors, puissance. J'ai un autre point. Ah, là, j'ai un choix. Soit j'ai un coup étourdissant. Votre coup a 10% de chance d'étourdir l'ennemi. Et les ennemis étourdis sont beaucoup plus faciles à achever. Ou lancer multiple. Viser jusqu'à 3 ennemis avec des armes de lancer. Ah non, lancer, je serais pas doué. Je préfère assommer mon ennemi au corps à corps. Je la sens mieux comme ça. Attends, c'est pas tout dans l'inventaire. Je peux peut-être me fabriquer des trucs là. Au niveau des plans. Ah ouais, je peux me faire des kits de soins. Ah oui, vas-y, fabrique. Kit de soins, c'est la vie. Je peux me faire des crochets. Mais je crois que c'est Bob Morlock qui m'en faisait la remarque hier. Ouais, le coup du crochetage des serrures est moins intuitif que dans Skyrim. C'est plus balèze. Des produits domestiques et du plastique, t'as des pétards. Cool. Cool, cool, cool. Cocktail Molotov. Ah, je préfère me faire des kits de soins. Shuriken, lame et cordes. Pourquoi il faut des cordes pour faire des shurikens? C'est bizarre comme recette. Ouais. Pas convaincu. Non. Non, 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 non. Je vais pas tenter le diable. Attends, mais le poteau là, comment tu fais pour l'atteindre? Alors là, franchement, je piche pas. Et au niveau de mes armes, je fais quoi? Ouais, tuyau de gaz. Oui, bah je veux bien le tuyau de gaz. Comment ça, récupérer? Ah, échanger, non. Ouais, il y a tuyau d'eau... elle est bousillée, donc c'est pas cool. Je peux la réparer? Aucune réparation disponible. Combien de fois un objet peut être réparé? Non. Comment je le vois, ça? Ah ouais. Dans les propriétés de l'objet, réparation. Bah ouais, sauf que je le vois pas. Bah je vais changer avec le contenu de mon sac à dos, puisque je suis... Comment je... Entrer... Échanger. Voilà. De toute façon, la planche de sol, je finirai par l'acheter.
Si elle est complètement pétée, oui, je suis con, faut que je la dépose. Voilà, retour. Si elle est complètement pétée, autant que je la jette. Hein. Ouais, je pense qu'un tuyau fera plus bobo qu'autre chose. Bon, mon cerveau, faut que je l'allume et que je me ferai un passage. C'est pas comme si j'étais dans un milieu hostile. J'allumerais bien les autres poteaux, mais comment? Ce poteau-là, sans déconner, c'est un mystère. Comment je fais pour le rejoindre? Je risque de me casser la figure. Oh la vache, il l'a fait! Poutre. Brr, j'en ai des frissons avec ce vertige. Non, il faut que j'aille là. Wow, mais vous avez vu le saut de ma boule? Oh, du coup, il l'a fait. Oui. Oh, quel homme. Oh. Oula. L'ombre portée, Space. Ouais, alors je vais devoir atterrir sur les sacs en bas. Mais ma chute. Faudra que je me barre. Est-ce que je prends le risque d'aller dans l'entrepôt? Il y a sûrement des trucs intéressants dans l'entrepôt. On va à l'entrepôt. Je pense qu'ils m'ont entendu, ces cons. Il doit y avoir des trucs intéressants, c'est pas possible. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Du plastoc, bien. Ouvrir. Avant qu'un zombie me tombe dessus. Des câbles électriques. Oh, des clopes. Des câbles électriques, c'est nouveau pour moi. Je vais peut-être avoir de nouvelles recettes. Des pièces métalliques. J'ose pas activer la lampe torche parce que j'ai peur de me faire repérer. Des crochets. Oh, le pactole. Le pactole. Wouh! Ça fait plaisir. Et des piles. Alors, j'ai vu la sortie normale, mais il y avait du peuple. Je pense pas qu'il y ait des trucs au-dessus, je vais pas prendre le risque de faire du bruit. Merde. Elle m'a vu. Le truc est par là-bas. Ouais, je vais l'esquiver. Pardon, ma grande, mais c'est pas avec toi que je vais danser un tango. Ça? Non. Oula. Alors là, par contre, je vois rien. Non, il n'y a rien. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Attention la cabriole, yes. Ouch. Oh vache. Putain Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Quoi? Oh merde. Son piège est tellement énergivore que ça a déséquilibré la distribution d'électricité dans le quartier. Merde. Et merde. Très drôle. Bah, baisse-toi, Brutti. Oh, il se plante le pic dans la tête. Merde.
Wow! Ce jeu de lumière. Alors là, ça va. Oh, là, ça va pas du tout. Il y a une horde qui m'attend. J'espère que le bruit de l'eau va couvrir mes pas. Ou pas. Merde. Oh. Je suis une Lada. Ouais, tu parles, c'est sécurisé. Ah. Non, je peux entrer simplement ? Ah, tu me rassures. J'aurais été surpris d'avoir un accès libre. Alors. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Tuyau de gaz. Quoi ? 22 quoi ? Une boîte de capote là ou quoi ? Avec les roues dentées, c'est trop bizarre. Intermédiaire, allez, on la tente. J'ai combien de crochets? J'en ai 12. Non. Merde. Oh, oui! J'ai réussi! Oh, grand-mère, j'ai fait du bon café. Inventaire plein. Attendez, stratégie. Les pieds de table, c'est pas top. C'est pas assez puissant, alors je vais déposer le pied de table. Je préfère. Tant pis pour le pied de table, et le tuyau d'eau sera beaucoup plus puissant pour frapper. Oh oh. Il est bien mort, lui. Attends, je vais atterrir sur le béton. Ouch. Ah si, il est mort. Pièce métallique. J'aime pas trop la présence des explosifs. Trouver le tableau de distribution et régler le problème. Ok, j'ai un gros problème. Je comprends pourquoi il y a des explosifs. Oulala. Oulala, sauf qui peut. C'était quoi ce colosse? Mais d'où il sort, lui? Oula. Oulala. Mais j'ai pas d'arme de jet. Je fais comment pour le buter, lui? Puis s'il frappe sur les bonbons, je te dis pas le boom. Alors là, j'ai un gros problème. Très gros. Un problème très costaud. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Waouh. Ah, il a la bougeotte. Le mec, il devient fou. Attends, mais j'ai pas d'arme de jet. Les pétards, peut-être? Est-ce qu'avec les pétards, je vais parvenir à... Mais faudrait qu'ils viennent par là, quoi. Attends, faut bien que je m'expose, hein. Merde, j'ai loupé mon... Ah, vite, barre-toi! J'ai merdé. Il est où ce con? Oh, chier, merde. Oh, il a pas aimé. Oulala. J'ai très peur du souffle d'explosion. Oh! Il pète mes caisses, l'enfoiré! Tiens, prends ça! Oh! Oh, oh!
Oh le con. Alors je sais pas qu'est-ce que les virulents, mais là, ouh. Ah non, ça va, il a pas tout fait péter d'un coup, mais c'était terrible. Oi, 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 oi. Il me reste une bonbonne. Attends, t'es sûr, toi? Je peux le frapper? Oh là là. Non, mais ça craint. Ah! Oh! Mais il est fou! Calme-toi! Bonjour Christella. C'est le grand foutoir, oui, c'est plus que de la bagarre, oh mon dieu. Merde, comment je m'en débarrasse? Au secours. Oulala. Oulala. Gna gna gna. Ah. Bon, j'ai intérêt à avoir une idée de... Oh merde, il y en a d'autres. Oh oh. Ah, au secours. Mais ramasse, abruti! Ouh vache, c'est pas passé loin. Oh, ah, ah. Bouh vilain, bouh! Oh, puis il y a l'autre. Ça va, je trouve que je m'en sors bien dans le sens que j'ai pas attiré autant de monstres que ça aux alentours, parce que l'explosion était énorme. Ouh. Non, il osera pas. Il osera pas! Bouh! Oh vache! Oh la vache, tu vas te calmer, oui. Va te calmer, gros vilain. Aïe, 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 aïe. Au secours. Au secours, maman, j'ai peur. Attends, oula. Oh la vache, elle s'est fait déboîter, la miss. Tu vas te calmer, gros vilain. Victoire par KO. Ouais. Bah alors, t'as pas eu ton compte, la vilaine? Beau. Elle a eu son compte. Oh, le colosse, toi. Qu'est-ce qu'il avait sur la jambe? Ah, c'était son sa trousse de travail. Oh là là. Débarrassez-moi des explosifs là. On n'en veut plus. Inventaire plein. Oui, bon, tant pis. Attends, il reste du monde ou ils sont morts ou oh, quelle horreur. C'est un épouvantable charnier. Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Il y en a des choses. Oh là 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 là. Burke. Crochetage. Allez, on se fait plaisir. J'aurais peut-être dû fermer la porte, mais bon. Je suis fou. Ah oui! J'ai réussi! Ah, les intermédiaires me réussissent bien. Ah oui! Inventaire plein! Merde! Homme de main, c'est quoi ça? Vous venez de ramasser une amélioration d'arme. Sélectionnez une arme dans l'inventaire et F6 pour l'améliorer. Oh! Inventaire plein. De toute façon, visiblement, la porte, je pouvais pas interagir avec. Mmh. C'est quoi, ça? Un plan du courant marin. Qu'est-ce que ça vient foutre, là?
C'est pas une centrale hydroélectrique là, faut arrêter. Ouvrant grand bien les yeux parce que. Qu'est-ce que je peux. Planche à clous, elle est encore en état. Ouais, mais elle fait pas beaucoup de dégâts, donc je vais la déposer, je vais prendre le tuyau à la place. Évidemment, il vaut mieux avoir des objets contondants métalliques que des. Ouais. Truc en bois, je suis pas sûr. Ouais. Disons qu'il y a de la réserve par ici. Ha! Power Brother! Le frère puissance. Oh, c'est non. C'est rigolo. La 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 lilou la lou. Utiliser. Oh! Oula! Épreuve de force. Oh! Ish! Attends. Je coupe la lampe parce que. Oh! Cette ambiance discothèque. C'est reparti ou pas? Le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place. Merde, j'entends du peuple. Ah! Ah! Petit souci. Je sais pas si mon idée est bonne. L'idée est bonne. Hop là. Foncez à la maison sécurisée avant la nuit. Foncez, c'est pas... Hein. Ah, là-bas, il y a un accès. Yes. Il est bon, il est bon. Merde. Tant pis, ils vont m'entendre. La maison sécurisée, j'ai... Ah merde, mais il y a du peuple. Oh là là. La maison sécurisée, mais c'est pas la porte d'à côté, ta maison de mes deux. Oh, mais... Putain, je suis à... C'est à l'autre bout, à l'autre quartier. Je vais me faire repérer, c'est sûr. Chier merde. Oh oh oh, je sais même pas si je peux atteindre la zone. Merdoum, merdoum, merdoum. Là, il y a des pics. Ah, ça va, c'est pas... Bonjour, mademoiselle. Oula. Oubliez-moi. Oui, je vais peut-être passer en mode chat et essayer de passer de toi en toi. Brrr, j'en ai des frissons, ils me foutent les jetons, ces idiots. Oh là, ça va être chaud. Mais il peut le faire. Ah. Intermédiaire. Oh, allez, on y croit. On y croit. Presque. Ouh, je suis bon. Ouh, que je suis bon.
Inventaire plein assassin. C'est une amélioration ça? Ah ouais, amélioration d'armes. Ok, cool. Cool, cool, cool. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Non, c'est ça? Sérieux? Oh, je... Merde, il y a un zombie. Je voulais tirer sur la malle, mais... Boyoul! Au revoir! Oh, crochet! Intermédiaire. Bon, je peux le faire. Ah merde! C'est un extrême? Non, c'est pas un extrême. Ah si! C'était l'extrême droite en fait, au niveau de la serrure. Inventaire plein, homme de main. Encore une amélioration? Waouh! Alors, c'est ici que ça se passe visiblement. Hop là! Hop! Joli saut! Pièce métallique. Ah, c'est là mon truc. D'accord. Je suis autour de mon arène de survie. Eh ben, je peux passer par là. Avec un peu d'élan. Ah, j'ai dit de l'élan, merde. Ouais, bien joué. Ouais, c'est quand même une belle brèche. J'aurais pas à dire, mais le mur... Ah oui, je me souviens de l'endroit. Je me souviens de l'endroit. Ah, je me disais bien que c'était... Ils m'ont suivi, forcément. Super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? J'aimerais éviter. Ah ouais, bien, je récolte journal de combat, plan laser. Ah, taser! J'ai compris laser, moi. Attendre jusqu'au matin. Ouais, vous me direz, je pourrais pas faire grand-chose. Eh bien, ça va, j'ai Geek Magazine. C'est quoi? Ha! Ha! Parle de Star Trek. Alors, planque du joueur. Oh la vache. Oh la vache. Alors, les clopes, j'en fais rien. Autant que je les dépose. Attends. Oula, les touches, je suis obligé de faire usage du clavier parce que... Oui, il dépose tout. Dans l'immédiat, les clopes, je vais rien en faire. Ah mais non, mais déposer dans mon sac, pas au sol. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, ce con? Oula, là, j'ai pas compris l'interface. Attendez, les clopes sont là. Tu peux les vendre. Merci, Christella. Ouais, mais en fait, comme je suis dans une planque intermédiaire, il faudrait que je retourne à la tour pour aller voir le vendeur et faire du troc avec. J'entends bien, hein, merci Christella, mais... c'est pas pour le moment. Bon, je présume qu'avec la magie du démon dans le jeu... Les sacs à dos de joueurs, le contenu est commun à tous les sacs. C'est-à-dire que là, si je dépose des trucs dans cette planque,
Je vais retrouver mes trucs planqués de cette planque quand j'irai consulter mon sac de la, dans la tour. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas réaliste, mais pour le confort du joueur, je présume que c'est ça. Mais tu une scène, mais qu'est-ce qui te prend? Twin Sen, t'es un canaillou. Fini, oui. Ah là là, Funfa n'est pas là, t'as pas ton bouc émissaire. Aïe, 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 aïe. Attendez, j'ai des objets de fabrication. Tenue. Il ne doit pas y avoir souvent des nouvelles tenues. Sac à dos, tuyau de gaz, tuyau d'eau. Bon, les pétards, c'est stratégiquement, faut que je les garde sur moi. Ah, pied de table, c'est pas top. Le pied de table, je préfère le jeter parce que c'est vraiment une arme misérable. En bleu, je crois que c'est ce que je porte, non? Ça fait du bien d'être un peu posé, relax dans le jeu. C'est pas désagréable. Alors c'est quoi, homme de main? Améliore les dégâts niveau 1 de votre arme au corps à corps. D'accord. Ouais, bah attends, je vais voir ce que je peux faire en bricolage. Compétences, j'ai rien, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Les plans. Courant marin. Brancher un tuyau d'eau sur du... Oula. Oulala. Taser, il me manque... Ah ouais! Je peux électrifier une lame. Oh la vache. Kit de soins, crochet, je pourrais encore m'en faire. Bon, j'ai pas de produits domestiques, mais il faudrait que je cambriole plus d'une baraque. Ou plus d'un appart. Pour me faire des cocktails Molotov. Les shurikens, j'y crois pas trop. Inventaire. Ce que j'ai en main. 39, 24, 32, 39. Allez, tuyaux en dégâts, c'est vachement bien. Tuyaux d'eau, tac, tac, tac. Ouais, je sais pas si je vais améliorer ça dans l'immédiat. Je sais pas, je trouve que je m'en sors bien. Donc là, je serais tenté de passer la nuit et d'essayer de rallier la tour. Pour faire du troc avec le marchand. Je me vois pas faire autre chose. Là au moins c'est bien, ça sauvegarde. Hey, tu es réveillé? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Alors, mode coopération. Ah, c'est seulement maintenant qu'on pourrait me rejoindre en coop. Elle est bonne. Vous avez été un coop disponible. Alors la coop, je la ferai un jour quand je ferai une deuxième partie. Contenu supplémentaire débloqué. Vous avez maintenant accès au contenu supplémentaire obtenu. Rendez-vous dans votre planque. Vous trouvez les tenues et menus en jeu, blablabla, mode supplémentaire à la clé. Doucement, attendez. Pack du contenu 5, la case de prison. Le casse de la prison, un nouveau défi sur une île isolée, maintenant dispo. Ah. Contenu supplémentaire, la horde de Bozak. Ah oui, d'accord, il est en train de ressasser tout ce dont j'ai accès. Nouvelle tenue. Oh. Bon, bah c'est bien, je vais pouvoir faire mon défilé de mode. Allons, bon, c'est quoi les tenues? Oh là là. Chouchou de Bozak. Ah, ninja. Spécial agent. Oh ouais, en costard cravate, stylé.
Tenue de mannequin de test, oui, crash test. Urban Explorer outfit. Oh, stylé. Agent spécial, j'aime bien. Changer de tenue. Ça me plaît d'être... J'incarne le G-Man quand il était jeune. Nouveau plan. Ah bon? Ah bon? Oula, il y a un déluge d'annonces. Cuisine et entrepôt. Ah, j'ai deux zones de sécurité supplémentaires. Fait plaisir. Ça fait zizir. Comment ça, j'ai des nouveaux plans? Wouh! Ouh là là! Ouh là là! Oh la vache! Wouah! Ça a démultiplié les possibilités! Oh mon dieu! Wouah! Wow! Ça doit être trop bien d'avoir une arbalète avec des carreaux. C'est le genre d'arme qui me ferait bien plaisir. Oh la vache! Ah! Ah ouais, je peux... Putain, il me manque des pièces électroniques pour faire un super tuyau qui assomme et qui aveugle. Ouah, clé à lame! Je peux faire une clé qui tranchante. Oh la violence! Vas-y voir. Ouais, sur la parouillée, vas-y voir. Voilà, je peux pas exhiber mes arbres parce que je suis en zone sécurisée. Ouais, ferme la porte. Alors. Ouais, faut que je retourne dans la tour. De toute façon, c'est ce que je souhaitais. Alors, mon souci, c'est que j'ai du peuple. C'est que j'ai du peuple. Merde. Merde, merde, merde. Ouais, faut que je retourne à la tour, c'est obligé. Oh là 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 là, merde, ils sont nombreux. C'est trop, bordel, je peux pas. Oula, 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 oula. Ouh. Non, y a pas de... Ah, y a pas à dire. C'est quand t'es au perché, tu te sens mieux. Ah, je crois que c'est une boîte, mais non. C'est un carton retourné et y a rien dedans. Merde. Elle paraît si proche et si loin à la fois, cette tour. Attends, comment veux-tu que j'essende de là? Je vais me casser la figure. Sur le muret. Vache. Oh merde, merde, merde et merde. Je sais pas si je peux la tenter. Oh là, j'ai chaud. Mais il est coriace, lui. Vache. Oh. Est-ce qu'il va réussir? Je sais pas. Oh, merde. Oh. Non, il aime pas monter. Génial, j'ai fait du bruit.
Ah oui, je veux bien. Oh, il y avait des ordi ici. Il faisait de l'informatique. Ah, c'était un petit studio de travail. Waouh, quand il devait faire chaud, dis donc, je sais pas, ils avaient pas vraiment la clim. Si, il y a une grille là. Ça devait sentir le fauve. Hein. Oh la vache. Hop là, oubliez-moi. Il y a une espèce de brouillard qui s'est posé, j'aime pas trop. On va passer sur le tuyau. Je fais trop de bruit. Je fais beaucoup trop de bruit. Bon bah ça va là, je progresse bien. Encore que... Ah ouais. Attends, mais il est où Spike? Il n'est pas dans la tour? Qu'est-ce qu'il me fait, cet idiot? Oh, j'irai bien voir le marchand d'abord. Ouais, je vais aller voir le marchand. Je suis sûr que j'ai du matos à... c'est lui? Attends. Bah, je veux bien prendre, merci, mais... Ça, c'est des cadeaux de bienvenue. Bonjour, l'Hélène, force. Vache. Le magasin, je sais plus, il était à l'étage, ouais. Ouais, ça va, merci, j'espère que toi aussi, l'Hélène. Ouais, bon, bah, je vais aller à l'étage. Je vais aller voir... le gars qui fait du commerce. Ouais, ça va aussi, c'est cool. J'aime bien leur narration. Non, les gardes. Ah, workshop. Non. Mais non. Mais pourquoi c'est fermé? Mais non, mais je suis deg. Sigbay. Comment ça? Ah, c'est l'infirmerie. Oh la vache. Ouais, c'est l'infirmière. Oh, elle fait une tête. Ouh, toi, t'es pas du matin, toi. Ouh là là, dur.
Ah, c'est là où il m'avait recueilli, c'est vrai. C'est dans cet appart que j'avais démarré, souvenez-vous. Ouh. Ouais, je pense pas qu'il y ait des trucs de nouveau. Pa-pa-pa-pa-la. Attends, en haut, il y avait du... Bedroom. Stockage. Ouais, non, c'est les quartiers dodo. Faudrait que j'y pense tout à l'heure à te montrer. Ah tiens. Alors, t'attends quoi? Bouge tes fesses. Oh l'autre. Oui, Christella, tout à l'heure, il faut que je pense à te montrer avant de faire le relais de chaîne à Funfan vers 13h. Est-ce qu'on peut faire tomber la bouteille, non? Vandalisme. Le mode spécial où il y a l'hommage à Silent Hill, Pity, la Pity. Non, mais ça m'apporte rien. En fait, je me suis fait suer à retourner à la tour, mais ça m'apporte rien. Le vendeur est pas actif. Donc, c'est un constat malheureux, mais j'ai fait le détour pour rien. Ça, c'est dommage. Merde, je vois même pas dans quoi je mets les pieds. Aïe, aïe, aïe. L'ascenseur, il était là-bas, je crois, ouais, sorti. Bon, bah, tout ça pour ça. Aïe, 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 aïe. J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Je ne récupère pas d'antizine, il a tout pris tant pis. Ouais, non, il y a rien. Shop ! Oh merde ! Oh bah alors. Quoi, le stade ? Ah non, c'est pas pour moi ça. Ah bah elle est bonne celle-là, j'ai du caca dans les yeux. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mon dieu. Ah, voilà l'homme qu'il me fallait. En plus, j'aime bien, il a une tête de nir de geek. Ah. Ça, c'est-à-dire j'ai pas la compétence, c'est ça? Du lichen toxique. Voilà, les clopes, c'est ça. Vendre tous les objets de valeur, 1 200 $. Ah ouais. Ah ouais. Si tu veux, dit Hélène,
Je peux faire la horde que je... Putain, j'aurais fini le jeu. Oui, n'hésite pas à te remanifester plus tard, tu sais, dans le courant de l'année prochaine, là. Comme on va bientôt basculer d'une année à l'autre, tu sais, dans les mois prochains. Oui, c'est gentil, l'Hélène. Bah, pour rien te cacher, l'Hélène, pour te donner une idée, je pense que... Parce que là, je suis en vacances. Mais quand je diffuse, c'est en le week-end seulement. Et je pense que Dying Light, je le ferai les samedis. Alors, je sais pas encore si je ferai le samedi matin ou le samedi après-midi. Mais à mon avis, Dying Light, j'y jouerai les samedis. Pour te voilà, te donner l'idée. Excusez-moi, je vais me moucher. Bonjour, FunFan, j'espère que tu vas bien. T'es dispo toute la journée. Ah bah c'est pas beau ça. Oui, bon, je crois sûrement ça dans les mois à venir, l'Hélène. C'est gentil, merci. Alors, comment ça marche? Je sais pas si je veux vendre d'autres trucs. Parce que j'ai pas mal de... Qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Bon. Vas-y voir que j'essaie de me faire un maximum de trousses de soins. Ah, attends voir. Ah, c'est la gaz qui me manque. Vends que les objets de valeur, me dit l'Hélène. D'accord. Merci du conseil. Ah putain, ça coûte cher la gaz. L'alcool coûte même moins cher que les gaz. Ah ouais. Ok. Voilà, je vais acheter ça. Je vais pouvoir me refaire un kit de soins. Ok. Mais du coup... Attends, bizarre. Ouais, mais c'est cool. Ok, je comprends pas. Je vois où mon nombre de trousses de soins. Argent crochet, ouais, mais... J'ai un kit de soins, d'accord, mais... Bah. Ouais, bon, bref. J'ai pas tout capté. Ah, 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 cette borne de l'enfer! Allez, on y retourne. Oui. Hop là. Ah oui, le gars, il garde plus la tour. Alors qu'avant, il l'avait fermé à double tour. Là, il s'est barré. Bref. C'est reparti, mon kiki. Où est-ce qu'il est, le mec? Oh, merdo, mais il y a plein de monde. Tu vois en haut à gauche de ton écran.
Ah, c'est le plus 7. Ah, merci, l'Hélène. Ah, c'est bizarre comme interface. Ok, j'en ai 7 sur moi des trousses de soins, c'est cool. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Oula. Bon, je vais me faire repérer en rejoignant Spike. Youhou, c'est cadeau. Brrr. Merde, j'ai loupé à cause de du cadavre. Hop là. J'y vais, lui. Mais il est fou. Tout ça pour ça. Hop là. Il est en bas. Comment ça, il est en bas? Où est-ce qu'il s'est planqué, Spike? Bon, toi, tu vas pas m'aider. Comment ça, il est en bas, Spike? Oh là là, c'est casse-gueule. Ah, il est dans le camion. Merde, je suis pas au bon endroit. J'ai pas l'air con. Ouais, goudou, 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 on n'a rien vu. Hop là. Oula. Oula là. Oula, il y en a du monde. Comment j'avais fait pour rentrer la première fois? Oula, ils sont nombreux. Je passe au milieu, je suis fou. Je suis fou. Ah oui, oui, oui. Oh là là. J'arrive pas à m'y faire. Les cabrioles qu'il arrive à faire. Ok, bien vu. Oh vache. Alors, t'es où, mec? Allez. Oh, il a une belle résolution. Il en a du texte à lire. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Elle est bonne. Alors que j'en viens, bande d'idiots. Oh, j'ai une tenue en récompense. Vous êtes trop généreux, là. Vous êtes trop généreux. Il a peut-être autre chose à me dire. Non? Objet en stock. Ah, il offre. Ah, c'est gentil. Je veux bien prendre la gaz. Un kit de soins en cadeau. Oh, mais t'es adorable. La clé, je sais pas. Oui, j'ai pas d'emplacement libre. C'est très gentil. Merci de votre générosité. Est-ce que je peux saluer le médecin? Le médecin chercheur, je peux lui dire bonjour? Non. Bon, tant pis. Quoi? Oula, j'ai des nouvelles icônes. Hop là. Merde.
Oh. Je sais pas si je vais pouvoir. Si je peux. Ça me plaît beaucoup. Yes. Oh, il a même pas fait usage des mains. Mais quel athlète, le mec. Mais quel athlète. Oui, j'avais déjà fouillé. Tu crois que... Non. Non, non, c'est abusé, là. Là, c'est abusé. Oh, j'aime pas dans l'escalier. Ah, la vache. Oui, il l'a fait. Oh là 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 là. Deux fois de cadeaux, non. Ah, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Allez, go. Wouh. C'est bien de se dire qu'on est dans les étages. Je vais pouvoir souffler un peu et relâcher la, le stress, la pression. Ouais. Dur. Ah mais attends, mais... Ah merde, il était au rez-de-chaussée, le gars. J'aurais pas dû... Nul, le gars. Je suis même pas fichu de lire ma carte. Oui, 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 tu te répètes, là. Tu radotes, mon pauvre vieux, là. Doucement, Crane. Je sais que la situation te tape sur les nerfs, mais quand même. Ah, le mec... Non, le mec est en bas. Oh... Attends, je pige plus l'interface. Puis oui, ce serait bien d'avoir une lampe torche. Non, il n'y a rien. Ce bordel. Oh là 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 là. Non, il n'est pas là. Mais non. C'est condamné comme... Pourquoi je vois... Là, il y a le mec qui fait du commerce. Attendez, faut que je comprenne mon radar. Faut que je comprenne mon radar. Mais lui, le mec, c'est un survivant. Alors là, je piche plus. C'est pas à lui, c'est pas à l'intendant que je dois... Bon. Adviendra ce qu'il adviendra, je vais retourner dans les étages, mon intuition première. Et parce que là, je comprends pas le... Ceux à qui je dois faire le débrief, ils sont dans les étages. Il y a quelque chose qui est bizarre dans l'interface du jeu. Merde, j'ai lancé le menu.
oui, bon, je sais, j'ai des points de compétence. Survivant, ok. Ah, j'ai le choix entre routard. Apprenez à mieux utiliser la place de votre sac à dos. Ah oui, gagnez 4 emplacements. Ah ouais. Ou alors c'était booster. Utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer, courir plus vite, voir la nuit, résister aux attaques. Non, non, inventaire. Ah bah oui. Ah bah oui. Stratégiquement, c'est énorme. C'est énorme. Surtout que je vais aller de plus en plus loin et m'éloigner davantage de la tour au fur et à mesure que je... Que je prends mes aises. Alors attends, ici c'est les quartiers, le dortoir. Il est où le chef? Il est là le chef. C'est là que je dois faire mon rapport. Au QG. Oh, j'ai hâte de revoir Scorpion, je l'aime bien la miss. J'aime bien. Il est où? Sur le balcon? Alors, on fait bronzette? Mais merde, mais où est-ce qu'ils sont? Ah! Me mange la plante en pot dans la tronche. Mais pourquoi il a abandonné le QG? Ils sont sur le toit de l'immeuble ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Vous êtes où les gars? Non, non, ils sont pas en train de pioncer. Mais si je vais là, il va me dire que c'est au-dessus. Ouais, c'est bizarre. Sig B, c'est l'infirmerie. Je peux même pas leur dire bonjour à l'infirmerie. Non. Elle fait toujours autant la tête, elle. Oh mon dieu. Bon, j'ai compris, je remonte à l'étage. Oulala. Oulala, la tête des mauvais jours. Mais attends, mais je comprends pas. L'interface me dit vraiment que je dois me barrer au rez-de-chaussée. Je comprends pas. J'arrive pas à lire ma carte, mon radar. Je tourne en rond comme un gros nigaud. Et le mec serait en bas au chef du greux. Il serait autour de la tour, au pied de la tour. Non. Ça n'a pas de sens. Pom 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 pom. Ça, c'est verrouillé. Ouais. Ah, la fameuse grue d'un immeuble à l'autre. Oh la vache. Non mais, c'est... Quoi, il serait là? Oupla. N'importe quoi! Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Alors.
C'est vrai que je suis entre guillemets un agent dépêché infiltré. Il faut que je me mette dans le crâne, que le greu, c'est... Il faut que je sois discreto, sans mode radio. Histoire de pas éveiller les soupçons et la... des gars qui m'ont accueilli dans la tour. Ok. Eh ben dis donc, je pouvais tourner en rond encore longtemps. Je peux fabriquer un nouvel objet, génial. Aïe 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 aïe. Mais par moment l'interface elle est pas claire. Donc j'ai gagné le droit de retourner dans la tour. C'est n'importe quoi, c'est un bordel. Mmh. Une petite lame en cadeau. Hop là. Je vais repasser par là-bas. Maintenant j'ai mes habitudes pour grimper à la tour. Oh, encore un cadeau? Non. Un cadeau par jour, ça suffit. Aïe, 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 aïe. Bon, je reconnais aussi le premier que je suis pas doué, mais quand même. On dirait que la mission de Bricken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Enfin l'occasion de voir Bricken. Et... Mmh. Comment ça, point d'exclamation? Lui? Timur? Ah, peut-être une mission secondaire. T'es du joli boulot, 31. Crane, c'est ça? Mmh. Faut que je prête attention au point d'exclamation sur le radar, la carte. Voilà. Oh là 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 là. M'a fait peur. Les traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs. Et les hommes de Rice ont piégé Bricken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Aie l'air sûr de toi. Elle est marrante, elle. Salut, Bricken. Léna? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Elle était de mauvais poil. C'est qui, ton ami? Kyle Crane. Écoute, Bricken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Ça prend pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour. Pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, une minute. Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Au chaudron? C'est quoi le chaudron? Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Ouais. Bricken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête. Et maintenant, il se met à avoir des crises. Et moi, je ne veux plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Léna? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique.
Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Je me souviens de ce personnage, Gazi, quand j'étais spectateur chez Fanta et Bob. C'est particulier, c'est troublant. Oula, j'ai plein de points d'exclamation. Daoud doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. Oui, ben on va faire en sorte d'écumer la ville et de s'en mettre plein les fouilles. De toute façon, ça sera pas perdu. Salut les gars! T'aurais une clé en rab pour la 202? Quel est le problème? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. Ah! Mission secondaire. Ce serait pas pour me déplaire. Attends, depuis quand t'es marchand, toi? C'est pas indiqué! Oh mon dieu! Il y a plusieurs marchands dans la tour. Ça va devenir la tour des marchands. Ça va être énorme. Ça commence à me faire marrer, bien. De la gaz et de l'alcool. Ouais, non, oh, j'en ai suffisamment des trousses de soins. Faut que j'arrête de déconner. Objet de valeur, allez, $100 de café. Grand-mère sait faire du bon café. Ah oui, j'ai 8 kits de soins, effectivement. Cool. Et il vend quoi? Ah, un petit couteau. Être pratique. Ouais, propriété du docteur boutique, c'est ça, exactement. Ah, tout est lié, nous le savions. Oui, alors par exemple, il faut que je précise à l'Hélène et les anonymes qui nous regardent, on a nos petits délires, on a nos petits mèmes en communauté entre nos chaînes respectives, bande de copains que nous sommes. Et le docteur boutique, je rappelle que ça vient du docteur Ivo Robotnik dans Sonic, le grand méchant, le grand antagoniste. Mais c'est un jour, FunFan avait voulu m'écrire dans le chat par le biais de son téléphone portable. Or, sur son téléphone, il a un correcteur orthographique. Et on s'est fendu la poire quand ça s'est transformé en docteur Ivo Robotnik en docteur boutique. Hey, tu pourrais aller voir si Bahir est dans sa chambre, la 202. Dis-lui qu'il est en retard à son poste et que 7 s'énerve. Tu veux bien rendre ce service? Pas de problème, si je le trouve. L'appart 202? Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en lieu sûr. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville, peut-être. Mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails. Mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. Intéressant. Moi aussi j'aimerais bien avoir un flingue. Ah, c'est là que ça se passe mal, les gars. Oula. Comment on procède? Qu'est-ce qui se passe? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu peux essayer? Maintenez T pour suivre. Ouais, je sais pas. Crochetage facile. Alors. Laissez-moi me concentrer, les mecs. Sésame, ouvre-toi. Oui, merci, mais prudence.
Rahir, t'es là ? Aide-moi ! Ah, il est encore conscient. T'es où, mec ? Wouhou ! Bah, il est où ? Ah, il est là. Bah alors ? Qu'est-ce qui va pas ? J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer ? Non, non. J'ai pris de l'antizine et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. On va voir que c'était pas des vrais médocs. Si ? C'est de la camelote, ce truc. Quoi ? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où, Bahir ? Par pitié, j'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gamin en service, il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antizine frelatée, c'est ça ? Les gens pourraient en donner à leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi ? Non ! Bien sûr que non ! Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf, c'est un des éclaireurs. Il est bizarre. Il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Léna. Dépêche-toi, s'il te plaît ! Oui, bah, calme-toi, arrête de parler, contrôle ta respiration et tu tiendras plus longtemps. Quoi ici ? Tu l'as tué ? Il a pas basculé, mais il a besoin d'un médecin. Je croyais qu'il était en train de se transformer. Non. Quand même garder un œil sur lui. Si oui. Tu as besoin d'un docteur, tu devrais aller le chercher. Oula. Il y en a du monde. Le doc. Le doc est resté en bas ou. Attends, elle fumait sa clope dans le couloir. Merde, elle était où la doc ? Elle m'avait chopé à la sortie du QG. Le QG est en bas. Oh merde, la doc est retournée dans ses quartiers. À moins que... Attendez. L'étage inférieur, c'est l'infirmerie, non ? Sick Bay. Mais oui, elle est là. Elle doit être là. Oh non, mais elle était là ce matin ! Ah, j'ai eu peur, pardon. Tu devrais jeter un œil à ça. Le numéro de l'île n'est pas bon. C'est un fou ? Il y a quelqu'un au 20e qui l'a pris et maintenant il est coincé. Aman, va là-bas. Dépêche-toi. Comment il s'est procuré ça ? Auprès de Youssouf. C'est un des éclaireurs. On ne peut pas l'avoir produit ici. Quelqu'un a dû le lui fournir. Je sens que je vais avoir une petite discussion avec Youssouf. Le plus tôt sera le mieux. Ne lui fais pas de mal. Contente-toi de lui parler. Youssouf, l'éclaireur qui reste sur le toit. On va aller sur le toit. J'aime bien quand il y a des enquêtes comme ça où il faut bavarder avec les gens pour démêler des affaires, j'aime bien. Au moins ça prouve qu'il y a un travail de littérature. C'est... Putain mais je vois rien du tout. C'est toi Youssouf ? T'en fais une tête. C'est pas toi Youssouf. C'est lui. Youssouf. Bienvenue au gros bazar de Youssouf. Ce qui est introuvable, on le trouve chez moi. J'ai absolument tout ce qu'il faut. Je cherche de l'antizine. Alors voilà une surprise. Mon ami, c'est ton jour de chance. Non, Youssouf, c'est toi qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Bahir ? Bahir, tu dis ? Je suis censé connaître un Bahir ? Il a failli mourir à cause de l'antizine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée ? T'en es sûr ? Elle est pas bonne ? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types, je l'ai payé cher ! Quel type ? Eh ben, c'est un peu délicat. Quel type, Youssouf ? Je commence à perdre patience. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie, et quelques survivants vivent à l'intérieur. Je sais pas combien ils sont, j'y suis jamais rentré, moi. Ils ont des médicaments. Message de FunFan 1992. Youssouf, il est souvent désagréable avec les gens parce qu'il manque pas de souffle. Il a brûlé tous les flacons qui te restent. Et ils m'ont
coûte un paquet. Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté. Donc, il y aurait une histoire de pharmacie dans le quartier. Attends, je peux pas jouer le coup suivant sur le jeu de dames, là, ou... Si. C'est un jeu en soi. Attends, il y a le conduit de, voilà, d'aération... Oh, ils ont ouvert le... Ils ont déverrouillé l'espace de stockage. Oh la vache. Ouah. Mazette. Énorme. C'est énorme. Alors attends. Ah, c'est bien, j'ai des espaces supplémentaires dans le sac à dos, ça fait plaisir. Les quêtes. Alors, un flingue à tout prix. Bonne nuit, monsieur Bahir. Fouiller la pharmacie. Ah oui, je veux suivre la quête là, moi. Fouiller la pharmacie. D'après lui, il faut que je descende. Voilà, ça c'est une quête secondaire qui me plaît vachement. Ouais, il va falloir que je me barre de la tour et que je fasse une inspection dans la fameuse pharmacie de quartier. Ça me plaît beaucoup. Je dis oui. Allez, go. On va retourner dans le quartier. Un peu d'action. C'est très très bien. Tiens, j'anticipe l'organisation. Comme on fait un truc en commun tout à l'heure, là, on va s'en mettre plein la tronche. N'oublie pas que la première heure, je pourrais pas participer avec vous parce qu'il faut que je me restaure, Fun Fan. À 13h, quand je te ferai un relais de chaîne, il faudra que je chauffe ma gamelle. Et je me mettrai à manger. Je te rejoindrai dans la partie à 14h, Fun Fan. Pour le Unreal Tournament. Un petit tour dans la pharmacie de quartier. J'espère que c'est l'aurore qu'on voit et que j'ai toute la journée devant moi. Merde. M'avait pas vu. Mon Everest. Oh. Joli. T'écoutes ? On a trouvé deux autres flacons d'antizine contrefaite. Breken et Foudrage. Tu m'étonnes. Comment va Bahir ? Il est stabilisé. Mais si on était arrivé 10 minutes plus tard, il était fichu. Ce truc est mortel, Crane. Ta priorité, c'est de les empêcher de continuer. Compris. Oui, mais il est trop tôt, Fun Fan, réfléchis. Si certains sont bien organisés par rapport à ton tournoi de Rune Tournament, là, ils se manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à manger tôt, entre midi et 13h, et tout le monde va arriver à 13h. Tu referas le point à 13h, Fun Fan.
Oh. Il y a un appart à fouiller. J'aime bien le nounours. Les nounours sur le canapé. Ah, du plastoc. Moi, il est beau le nounours. Le nounours sur le canapé. Oh. Et une malle à fouiller. Oh yeah. Câble électrique. Ok. De la clope. C'est $50 en cadeau. Le paquet de clopes. Ruban adhésif. Magnifique. On fait tout avec le ruban adhésif. Absolument tout. Est-ce que je peux passer par là-haut? Wouh! À la 1, à la 2, à la 3! Oui! Il est même passé au-dessus. Oh merde. Merde, merde, merde. Faut pas que je perde de vue mon objectif qui est quelque part par là-bas au-delà des arbres. Oula! Il pète le feu, lui. Wouh! Attends, je descends. Hop là. Oh! Bah, dis donc, il est bien au perché, le Mickey. Il est bien au perché. Il faudrait que je me barre sur cette colline. Mais il y a du peuple. C'est trop haut. Oh là là, je vais me briser les os. Faudrait que je saute, mais... Goudou. T'as rien vu, mec. T'as rien vu. Passe ton chemin. Non. Il n'y a pas de compilation de clips à 13h. La compilation de clips, d'ailleurs, tu me fais penser, il faudra que je la peaufine avant dimanche. Donc, il faudra que je retourne sur Linux dans mon logiciel de montage vidéo. Je crois que j'ai encore 2-3 trucs à... Ou j'ai oublié de la rapatrier, je crois. Ils en disent des choses intéressantes. Oh merde. Oubliez-moi, oubliez-moi. Ah, la pharmacie. Oh merde, vite, vite, le van, le van, le van. Le van. Eh, ça va, calmos. Ah ouais, tranquille, l'autre, il a des haches à volonté. Hop là. Alors, ah, c'est toi, le mec grand Manitou, c'est toi. Il paraît que tu vends de l'antisine. Qui t'a dit ça? Ton petit doigt? La même personne qui m'a dit que tu mettais cette saloperie dans de faux flacons. De la saloperie? Ma formule est 100 fois meilleure que la daube qu'ils larguent dans leur caisse. Non seulement elle soigne, mais elle rend super fort et super rapide. Avec des yeux laser, je pourrais te cramer d'un seul regard si je voulais. Je viens fermer le labo, Bento. Ouais, Youssouf m'avait prévenu que tu nous causerais des ennuis. Message de FunFan1992. D'après les statistiques, durant le mois de novembre, je t'ai visionné pendant 1 jour et 23 heures. Attends, j'ai une petite rixe entre copains. Hein. Oui. Aïe. W kit de soins. Oui. Ouf. Oh.
Ah. Wouh. Oui, utilisé d'après mes stats durant le mois de novembre, j'étais visionné pendant 1 jour et 23 heures. Oui, presque 2 jours. Bah oui, tout cumulé, ça va vite, mon cher fan. Ça va vite. Oh merde, ils sont nombreux. Aouh ! L'autre, il m'envoie des haches. Oh. Oh l'autre, elle la provoque. Oula. Le loustic avec ses haches, il m'énerve. Oh merde. Oh la vache, c'est ils courent les salopards. Aïe, 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 aïe. Hein, quoi? Oula. Je vais te détriper. Merde, loupé. Scène de ménage. Wouhou. Scène de ménage, nouvelle version. Hop là. Aïe! Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait un escalier. Moi, je me fais chier pour rien. Alors, ils viennent un par un ou... Eh, ils sont nombreux! Vache! Ils sont nombreux. Oh, les excités. Hop là. Aïe. Ah merde. Ils m'ont buté. Ah, dur. Oula. J'ai des poids de compétences non utilisés. Ah bon? Ah, la puissance. Ah, robustesse. À mesure que votre cœur gagne en puissance, vous pouvez absorber davantage de dégâts. Ah bah oui. Ou lancer d'armes. Oh, je me sens pas prêt à lancer des armes. Ouais. Point d'exclamation Discord, l'Hélène. Oh, il y a un rat, Burke. Tuer les escrocs. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok. Oh la vache. Ouais, ils sont là-bas. Oh merde. Je me jette dans la gueule du loup, moi. Ouh. On n'a rien vu. Oubliez-moi. Ah. La bonne blague. Ah oui, ils sont au-delà de la voie ferrée. Oh la merde. Ça craint du boudin. Ouh,
Oui, merci Christella. Oh! Ah, dommage. Attends, j'aurai le temps de la crocheter la malle là ou pas? Non, j'aurai pas le temps, tant pis. Ah, c'est eux mes copains. Bien essayé, salopard. Aïe! Ah la vache. Arme inefficace. Eh ben, je vais en changer. Je vais en changer. À l'usure, je les aurais bien. De quoi t'as peur? Viens de battre comme un homme. Aïe. Alors, kit de soins. Merde, non, c'est comme ça, je crois. Non, comme ça. Non, merde. Vas-y, que j'ai les bons réflexes. Ah oui, c'est celui-là, c'est le bouton-là. Ouais, mais en fait, le problème, FunFan, c'est que t'as une exigence à ce que tout le monde réponde présent à une heure précise. Alors déjà, avoir des participants qui acceptent d'être aussi ponctuels, ça se fait rare de nos jours, sans offense envers qui que ce soit. Et on est en période de repos-vacances. Donc, tout le monde, moi inclus, on est baba cool. Donc, ta probabilité d'être exaucé, tu vois, ça toboggan, hein, ça en chute libre. Comment t'expliquer, FunFan? Il faudrait presque, non, tu fasses un départ diesel. Je conçois que tu n'aimes pas. Mais c'est la meilleure manière de rallier du monde dans la partie, c'est que tu te lances en solo et que tu attends que, au fur et à mesure, les personnes arrivent. Ça, j'ai peur que tu sois contraint de t'y faire, FunFan. Merde, arme inefficace. Ça sonne creux. Ah, je manque d'endurance, hein, la vache. À l'usure, je vous le dis. Ouh là là. Ouch. Oh non, il m'a eu. Oh le salopard. Il a une portée, il a réussi à m'exploser. Quoi? Ouh là. Survivant de... J'apprends des trucs. Bon, bah il me cause bien des soucis, les loustiques de la pharmacie. Hop là. C'était par là-haut. Hop là. Non, loupé. J'exagère. Cette blague avec le zombie qui sort. Maintenant que je connais le running gag. Oh, joli. J'en ai pas fini avec toi.
J'aime bien les interjections. J'en ai pas fini avec toi, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on en a pas fini. Me revoilà. Ouais, j'avoue, je manque d'endurance. Oh la vache! Il m'enchaîne, le salopard. Putain, je vais bouffer toutes mes trousses de soins. Merde! Ah! Il va m'avoir, salopard. Oh là là, j'ai que des outils pétés! Attends, je dépose les outils pétés parce que ça va me porter préjudice. Bah, échanger, oui, je sais pas si. Oups. Récupérer F. C'est comme ça que ça marche? What? Oula, non! Oula là là là! Oula là! Ah ah! C'est autre chose ça! Faut que tu les répares, ouais, ouais. C'est. Je l'ai pas dit, mais je l'ai fortement pensé. Mais merci du conseil, Hélène. Clé à lame. Comment je m'en équipe? Sélectionner. S'équiper. Ah oui, comme ça. D'accord. Sélectionner, s'équiper. Sélectionner, s'équiper. Ah bah voilà. Là, je vais faire bobo, là. Wouh, ma meilleure arme. N'est pas ici. Ou vache, je lui ai fait très mal. Je lui ai fait très mal. Je lui ai fait très mal. Lena, ici Crane. Ouais. Tu peux dire à Brecken que le labo de contrefaçon a fermé. Beau travail, Crane. C'est un gros soulagement. Tu vas bien? Ça va, mais Youssouf les avait prévenus de mon arrivée. Je le craignais. Brecken a voulu l'enfermer, mais il avait déjà filé. S'il revient, j'irai lui dire deux mots. Ouais. Le trouve avant toi. Wow. Alors. Évidemment, toute cette agitation, je les ai excités dehors. Non, ça, c'est une boîte à outils. Faudra que je récupère à l'étage mes outils à réparer. Oh, ça, c'est la boîte au trésor. C'est bon ça. Oh, deuxième boîte au trésor. Cool. Oh, planque du joueur. Sympa. Une note. Cool. Alors si j'ai des temps morts à m'offrir, des pauses à faire, je lirai les notes. C'est bien, ça fait partie intégrante de la narration et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Troisième boîte au trésor. Ah, briquet. Cool. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Ah, c'est son labo de fortune. C'est la merde qui distribuait. La tête du gars. Je vais retourner voir mes objets pétés à l'étage. Attends, j'éteins la torche. Voilà, là mes objets pétés. Si je peux les... si j'en peux les réparer. La la la.
touche C. Êtes-vous sûr de vouloir réparer votre arme avec pièces métalliques Alors attends, j'en ai combien des pièces métalliques? J'en ai 4, ouais, oh. C'est censé servir. C'est censé servir. Bah ouais, je me serais bien battu. Très bien, très très bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai une torche UV, putain, j'y pense pas. Pour repousser les infectés, oh là. Ok, compétences, j'ai rien à distribuer. Ah ouais, ah j'ai 3 cocktails Molotov sur moi. Ah je savais même pas que j'avais ça. Ah ça peut me tirer d'affaire d'avoir ça. C'est cool. Cool cool cool. Ah Gazi, faut que je fasse la mission Gazi. Fête des mères. Je veux faire cette quête. Le fameux Gazi. Alors, l'infirmière m'avait dit que... Enfin, la médecin qui vivait sous le pont autoroutier. Vache. Qui est en contrebas, parce que visiblement, là, je suis en altitude, vu la cime des arbres, des palmiers. Par où je me casse? C'est pas comme si j'étais en état de siège. Par là, tout simplement. Ouf. Gazi, le petit Gazi. J'arrive pas à voir d'ici où est le pont autoroutier. Merde, c'est à l'autre bout de la ville. Quelque chose me dit que longer la voie ferrée n'est pas forcément une mauvaise idée. Hop là. Ah ouais. Déconne pas. Une zone sécurisée inactive. Ah oui, c'est la maison rouge. Ah ouais, faut que je la tente. Attends, je vais changer d'arme. Je vais pas forcément prendre la meilleure. Parce que je vais peut-être la garder, ma meilleure arme, pour les cas difficiles. Il est résistant au baf, lui. Je vais avoir du mal à le biffer. Ouch. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour 8 dollars. Pour 8 dollars, doudidoudidoudidouda, pour 8 dollars. Eh oh, t'approches pas toi, gros vilain. Oh, bonjour, Récif. J'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes fêtes. Oh mon dieu. C'est ça, va prendre ta douche. Burp. Nettoyez le secteur. Rétablissez le courant. Et merde. Et verrouillez les accès. Apparemment, ils vont tous rentrer, forcément. Merde. Rétablissez le courant. Grouille. Grouille, grouille, grouille. Évidemment, tout le monde rentre. Sinon, c'est pas drôle. Je doute de l'efficacité de mon arme.
Non, là ça craint. Là ça craint. Là ça craint du Bouddha. Je suis mort. Et merde. Merde, merde, merde. Je suis pas assez endurant pour ce genre de X. Oui, merci à toi d'être là, Récif. Oh là là. Merde. Il y a des frites au menu ou Yuldui? Oh, une statue. Figurine de Zombix. De Zomber, Alors, là, je suis pas sûr de ce qu'il y a dans la marmite. Ouch. C'est pas de la pâte à crêpes, hein. Ce n'est pas de la pâte à crêpes. Youhou. Bon. Alors, gazi. Un peu d'escalade, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sympa. Casse-bonbon, mais j'y arrive. Ah, il y a une boîte là-bas. Ouais, bon, tant pis. Attends, je vais me manger la barre dans la tronche, là, non? Oh, joli! Oh là là, mais quel homme! Y a rien, là? Si, attends. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas entendu. La discrétion est de mise. Waouh. Ok. Y a rien, y a pas de document, y a pas de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, produit chimique, trop bien. Un aérosol et de la bouffe. Ouais, il aime bien la bouffe. Tiens, tant que je suis là en relative sécurité, je vais peut-être me faire du... Attends, je peux pas me faire des trousses de soins? Kit de soins, mais oui! Ah oui! C'est le moment opportun. Ouais, faut que je me refasse des kits de soins là parce que j'ai pris cher avec la mission de la pharmacie là de chiottes de contrebande. Je crois que je joue en normal, l'Hélène. J'avais dû prendre la difficulté normale au moment de lancer le jeu. J'ai failli prendre le mode histoire, puis je dis tiens, je vais mettre en normal. Je pense que c'est un peu plus relevé. C'est pas plus mal, tu vois. Je trouve que mon aventure est équilibrée. Je suis pas si souvent que ça interrompu par les... On va dire les morts. Il est énorme, ce calendrier. Voilà la photo, toi. Pièce métallique. Il faut vraiment ouvrir grand les yeux et voir tout ce qui est mobilier. Voilà. Produits domestiques. Inconsommables. Ouais, sauf que là, je mange par gourmandise. Ce qui est un peu con, barre de vie est à fond. Moi, je joue en cauchemar. Oh là, je sais pas comment tu fais. Moi, je peux pas. Je suis trop fragile pour jouer en cauchemar. Je suis trop fragile. Et encore, je suis au début du jeu. Je sais que ça va monter crescendo en difficulté. On se calme. Oh. Ou pas. Mais. Ah. Il m'a fait peur. Alors, c'est quoi l'agilité? Compétence. Alors, je peux soit faire une glissade. En courant, ça me permet de passer dans différents trous de mur. Et ouais, pour se faufiler, ça peut être sympa. Ou grappin.
Utilisez l'attaque des ennemis pour les propulser au loin. Quand un ennemi charge, appuyez sur D, pointez en direction ou exécutez l'action. Non, je préfère savoir glisser. Savoir glisser va mettre vachement en pratique. J'ai des armes ultra puissantes qui font un minimum de 2000 de dégâts. Oh là là. Un jour arrivera où j'aurai ton niveau, mon cher Lélène. Oh, il y a un panier. Il y a un panier surprise! Ah merde, il est passé au-dessus. Il est tellement bon qu'il est passé au-dessus. Attends. Ah merde. Oula, 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 oula. Oh oui! Oh, magnifique! Magnifique. Quoi? Ah, c'est inconsommable. Oui, mais là, j'ai pas besoin, là. Le pont routier, il est où, Gazi? Hop là. Hop, 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 hop. J'avais pas, même pas vu que c'est une zombie, moi. Con. Faut que j'ouvre plus grand mes yeux. Là, attends, la voie ferrée, la voie ferrée, la voie ferrée. Le petit Gazi, il habite quelque part par là. Ah, il y a quelque chose. Non, c'est nul. Non, tous les wagons sont vides. Ah non, tous les wagons ne sont pas vides. Tous les wagons ne sont pas vides. Oh, statue. Cool. De pioche métallique. Chum magique. Alors, Gazi est sous le pont autoroutier. Attends. Comment veux-tu que je passe par là, moi? Intermédiaire. Cool. J'ai un succès. Sésame, ouvre-toi. C'est quoi ça? Une bourse. Oh! Objet de valeur. Stylé. Un objet de valeur. Des pièces métalliques. Ok. Alors, j'ai des... Attends. J'ai des indications sur ma carte. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, il est... Oh là, il est loin, Gazi. Oh la vache. Ah, ça, c'est une zone que je pourrais sécuriser. C'est vrai que c'est des objectifs à pas négliger. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est quand même loin. C'est pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté. Si tu veux plus tard, je pourrais t'en passer. Ah oui, on verra plus tard, mais merci de la proposition. Attends, là, il faut que je sache lire le relief. Ouais, je suis pas dans le bon secteur. Attention. Hop là. Quoi? Qui c'est qui a parlé? Attends. Ah ouais. Ok. Hein, un fourgon de police, ça peut être pas mal. Très difficile. Non, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, je suis fou.
Non. Non, j'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Je me barre. J'ai pas le niveau, je me mets en danger. Gazi, t'es où Gazi? Vite un saut. Allez, non, ne me dis pas que tu peux pas escalader ça. Ah, il peut pas, non. Au secours. Plus tard les pièges lumineux, plus tard. Merde. Taurus, c'est quoi ça Taurus? Oula. Ah, ouvrir, oui. Ah, petit câble électrique, merci du cadeau. Oui, on va peut-être éviter de cloper par ici, hein. Attends, c'est quoi ça? Tuyau de gaz, planche à clous. Bon, tant que je peux le prendre. Merde. Le petit Gazi est demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, ils sont pas là. Waouh, des shurikens améliorés. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Attends, grimpe voir sur le rocher. Ouais. Ouais, je prends un peu de hauteur, je me sentirai mieux. Alors, le petit Gazi, il est où? Ouais, va falloir que j'escalade le... Que j'escalade l'entrepôt. Oh vache, c'est haut. Bien, mec. Oh là 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 là, mais quel athlète! Mais quel athlète! Regardez-moi ça. Vache. Bienvenue dans les ténèbres. Ouais, on voit qu'il y a une morgue d'inaugurer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette morgue? C'est un camp de fortune qui a été instauré quand il y a eu le début de la pandémie. 5 dollars. Il n'y a plus rien ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une installation improvisée par des militaires ou des... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends... Ok, il y avait un labo de fortune, ils ont dû faire des recherches et des analyses. Plan du dentiste. Ok, génial. Wow. Eh ben, il y en a des choses par ici. Qu'est-ce que c'est que c'est? Une corde et du café. Grand-mère s'est fait du bon café. Non, je peux pas ouvrir. Non, il n'y a rien. Il y a vraiment des merdes dans la poubelle. D'où il sort, lui? Il est venu des égouts. T'as la vache, le gars qui est apparu dans mon dos, il est sorti des égouts. Oh, les boules.
vache. Non, je peux pas. Non, là, il n'y a rien à faire. Oula. Ça va être sport de rejoindre le petit gazi. Bonjour Henrik. Waouh. Il y a sûrement du matos dans l'entrepôt, mais... Remarque, si c'est qu'un zombie... Bon, un zombie qui est... Putain, mais c'est quoi ces champignons? Ah! Mais je peux les récolter en plus. Oh, cueillette. Merde. Je trouve qu'il m'a trouvé un peu trop à croquer. Je manque d'endurance. Oh la vache! Mais ils sont coriaces! Mais mon arme est vraiment efficace là ou quoi? Je vais changer d'arme. Oh la vache, mais comment qu'il est coriace lui? Ma super arme! Oh mais c'est pas vrai! Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue! 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 Qu'est-ce que c'est que ce dur à cuire? C'est pas possible, c'est un boss! Qu'est-ce que c'est que ce mec? Tape, il m'a mis un pain dans la tronche! Je suis obligé de me soigner avec ces idioties. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce Mickey? Tiens, je vais me faire de la cueillette. C'est pas croyable. Là, je suis censé lui faire mal. Eh ben, dis donc. Un vrai boss. Bon. Oh. Je finis par douter, vu comment c'est rangé. Est-ce que je vais avoir des cadeaux par ici? C'est pas sûr. Bizarre, y a rien de rien. Oh merde. Tout a été écumé dans cet entrepôt, visiblement. Y a rien. Bonjour Bastos. Oui, merci Henrik pour l'acte de fidélité. Bienvenue. Alors. Y a rien de rien. Qu'est-ce que c'est que cet entrepôt? Ouais, il y a l'air d'avoir une partie supérieure. Aïe! Ah! Aïe, 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 aïe! Je viens de me fouler la cheville. Je pensais aller au-dessus, mais non. Attends, je vais insister un peu parce que...
c'est pas comme si j'incarnais un athlète, mais... T'es sûr que tu peux pas... Ah, bah disais bien qu'il pouvait. Je peux même revenir sur le toit, visiblement. Bonjour, la Jed. Ouais, c'est ça, un orteil en moins. L'idée est là. Bon, bah j'espère que vous allez tous bien. Ça fait bien plaisir de vous voir, les copains. Non, il n'y a rien au-dessus. Bon. Je suis déception. Et je suis déjà en quête d'un point de chute. Ah, voilà. Hop là. Cool. Attention. Ça va. Alors, le petit gazi, on va lui rendre visite. Lila, lila, la. Toi, tu ne m'as pas vu. Oh là 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 là, il y a du peuple au niveau du bus. Ouh là là. Tu peux activer piège lumineux, ça servira à rien. Oh là là. Planche à clous. Ouais, non, c'est... C'est la mort. Mais c'est la mort qui t'a... J'essaye de passer discret. Oui, bah tu prendras ton antenne à 14h. Moi, je joue encore un petit peu, et puis je fais un relais de chaîne à quelqu'un, parce que je commence à avoir faim. Oh, merde. Toi, reste morte. Attends. Très mauvaise idée, le coup du tunnel. Quoique, je peux peut-être cambrioler le bus. Planche à clous. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Merde, c'est des barbelés. Est-ce que je peux sauter sur l'utilitaire sans m'écorcher? Est-ce que je peux sauter par-dessus? J'espère. Wow. Alors, comment je fais pour grimper chez lui? Monsieur Gazi, on a un colis pour vous. C'est quoi ça? Non, c'est rien. C'était un cendrier qui était... Merde. Évidemment, il nous facilite pas la tâche. Gazi, t'es là? Pas si bas. Il est pas si bas. Il est haut perché, le mec. Il est pas si débile qu'on voudrait le croire. Non, non, c'est beaucoup trop loin. Je peux pas m'élancer et sauter, là. Oh, il y a des échafaudages, mais comment... Oh là 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 là... De toute façon, il y a des endroits à fouiller par ici. Pour le moment, il n'y a pas trop de zombards. Des pièces métalliques. Putain, je peux faire la cueillette aux champignons, dis donc. Oh, fleuris, fleuris, ouais. La petite cueillette, oh. On va faire de la chimie. Le rebord. Hop là. Oh. Bien joué. Ah, il y a un panier. Il y a personne.
Ah, je vais peut-être pouvoir ouvrir. Attendez. Oh, le joli panier. Un peu de bouffe, c'est bien. J'avais un creux. C'est fermé. C'est fermé. Alors, on va peut-être éviter l'eau. Aouh! Vache. On va peut-être éviter l'eau. Ah bah. Faudrait que je mémorise pour la prochaine fois. Non, je pense pas qu'il soit là. Yazi, y a quelqu'un? Ah, crochetage facile. On dit ça, on dit ça. Ouais, je préfère avoir la paix. Avec ces zombies, il faut se méfier. Ah, la cuisine, et pas Schmitt. Produits domestiques, c'est bon ça. C'est bon. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de... Ah, il y a un étage supérieur. Intéressant. Ah, c'est les sanitaires. Qui sont grands d'ailleurs. Mais qui... Oh la vache, tuyauterie en même temps. Crochetage encore. Merde. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette porte? D'accord. Ah, c'est celle que j'essayais d'ouvrir tout à l'heure. Ok. Donc au moins j'ai fait la jonction. Bon, il n'est pas là le joyeux drill. Attends, j'ai une rambarde. Oula, j'ai des excités dans le coin. Ponton de bois, ça va, ça fait pas trop mal. Je pense pas qu'il y ait du monde. Si maman est pas contente, ah, personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Gazi? Moi aussi, on a le même nom. Qu'il est con. Tu viens du vidéoclub? Je m'appelle Crane. Crane? Crane? Ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer? Non, c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub? Pourquoi tu me demandes toujours ça? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer? Bien sûr, tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, personne n'est content. Et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Non, non, attends un peu, ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin. Ah, ah, ah. Un joyeux loustique, lui. Mmh.
Ah, je m'attendais à ce qu'il soit au perché, mais non. Heureusement qu'il s'est bien barricadé, parce que... Il est quand même sous la menace des zombies, le petit Gazi. Merde. Oula, oulala. je renonce. Je renonce. C'est pas le bon endroit. Oh là là, ce cloque. Je suis sûr qu'il y avait une eau claire qui avant. Hein? C'est dégueulasse. J'ai pas un autre point d'évacuation. Attends, si j'essaie de remonter par là... Ouh, je vais me briser les os. Je vais me briser les os. Ouais, descends plutôt comme ça. Voilà. Ok. Ah, je me disais bien qu'il y avait un accès. Oh merde! Non. Non. Oh là là. Wow, les boules. Non. Non. Oh merde, j'ai pas le droit de me promener dans les... difficiles. Ouais, tu m'étonnes. Attends, je vais avoir besoin de la lampe torche, là. Oui! J'ai réussi un crochetage difficile. Ça fait plaisir. Wouh! Oh oui, un objet de valeur. Oh, je vais avoir de la thune. Changeons d'arme. Bonjour, Nayonet. Quoi? Attends, c'est moi ou il m'a proposé de le fouiller? Ah non, c'est moi qui ai rêvé. J'ai cru que mon interface me disait que je pouvais le fouiller. Non, je pourrais pas escalader. Tu crois que... Non, non, c'est abusé. C'est complètement abusé. Ah, je veux pas rester dans ce cloque infâme. Au secours. Je veux m'extirper des eaux putrides. La 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 la. Non, j'ai pas le droit. Si, j'ai le droit. Attends voir. Ah. Ah ah ah. M'intéresse. Alors, attends. Suspends-toi, mec. Vas-y, Crane. Wouh. Ça, c'est du sport. Ça, c'est du sport. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas atterrir là? Ouais. Bon, bah, atterris là. Hop là. Ah! La fameuse passerelle suspendue. Hop là. Il y a des trucs à récolter ou non? Non, non, non. Attends. Non, il n'y a rien à ramasser.
Y a pas de cadeau, y a pas de truc caché. Faut se méfier, hein, on peut fouiller tous les recoins. Hein. Bah alors. Merde. Mais non, mais vous êtes pas sérieux. Non, j'y crois pas. Je sens que je vais mourir comme un caca. Voilà. C'était pas réaliste. C'était pas réaliste. Ouais. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai faim. J'ai envie de chauffer mes gamelles et de déguster là. Pour rien vous cacher, je vais me faire un plaisir de savourer des bonnes tomates farcies. Ça va me remplir le bidon. Et de toute façon, on voit que le jeu a sauvegardé la quête intermédiaire. Tiens, ça aurait été rigolo que je puisse me prendre pour le vendeur. Mais il y a un mur invisible, dommage. Interrogatoire! Oh! Monsieur était marin. Ah 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 ah. Ouais. Moi je vous dis. Rendez-vous chez Fun Fan tout à l'heure à 14h. Alors attends, quitter. On va se retrouver. Tableau mystère, on reverra le 1er janvier dimanche. Ça me fait même partie de mes vacances que de pas faire de tableau mystère. Ah, avant que j'oublie, Christella. Non, c'est pas ça. C'est les cartes personnalisées. Tu vas dans cartes personnalisées, Christella. Et c'est... C'est... C'est répétition, voilà. Tu vas dans carte personnalisée, Christella. Moi, je l'avais avec le jeu. Dans les cartes de la communauté, carte personnalisée, tu prends répétition de Joshua Lucas Maymet. Et répétition, c'est cette carte-là qui est l'hommage à Silent Hill PT, où tu passes plusieurs fois dans la même baraque et à chaque passage... T'as une pièce du puzzle du scénario d'horreur qui se dévoile à toi. J'ai bien aimé. Je me suis amusé à me le faire pour configurer le jeu hors antenne il y a quelques jours. Et je te conseille la carte là. Si t'as aimé l'hommage... Le Silent Hill Pity, ça c'est un magnifique hommage. J'étais très agréablement surpris. Parce que je l'ai dégoté et découvert par moi-même. Carte de la communauté, carte personnalisée, jouable. C'est répétition, le nom de la carte. Je me répète, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Par Joshua Lucas Mate. Alors, c'est l'hymen, oui, c'est ça, Bastos. Comme dit Fun Fan, à tout à l'heure pour ceux qui veulent de l'Halloween Tournament. Et puis, bonne journée à vous autres. Oui, PT égale PT, oui, bien sûr. Sacré Fun Fan. Voilà, je dis que je vais quitter. Vous allez avoir ma tronche en gros plan. Je vais respecter la tradition de Belle de la plateforme qui est le relais de chaîne. J'aime bien en faire des relais de chaîne, c'est sympa. Oh là, vous me voyez en clair-obscur. On voit que j'ai plus de lumière dans mon secteur. C'est la Folix. Alors attends. Oui, j'allais dire, je peux éteindre ma tablette. J'ai pas lancé. Si, j'ai lancé mon navigateur. Qui c'est? Ah bah, on va peut-être aller voir. Cadeau Anthony qui fait du Genshin Impact. Ou on a Ouais, allez, Cadeau Anthony, ça fait longtemps. Cadeau Anthony, ça fait longtemps que je lui ai pas fait un coucou. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. On se retrouve à 14h chez Fun Fan. Et j'ai les crocs.
J'ai les crocs. Rendez-vous à 14h chez Fun Fan. Merci aux nouveaux arrivants. Pardon, je suis impoli. J'ai même pas regardé si j'avais des événements de chaîne. Mais je crois qu'il y a eu que des actes de fidélité ce matin. Mais merci tout plein. Prenez soin de vous. Bisous. Et rendez-vous à 14h chez Fun Fan. Allez, on file chez Cadeau Anthony pour la pause déjeuner. A plus. Comment tu vas? Chaque fois que tu viens, il casse sur les objets. Oui, c'est rigolo ça. Hein, je trouve ça marrant. Salut Fun Fan, ça fait longtemps. Oui, salut Nayone, comment vous allez? Merci beaucoup le sage pour le raid. Bonjour Anthony. Salut Escardia, tu vas bien? Salut le sage, merci pour le raid. Salut Bastos. Sur quoi t'étais le sage? Ça va bien, merci.